I've been really lucky to be able to have access to many different worlds that I think a lot of people don't have access to. So if I can present something in a music context and introduce people to things like Irkam or Karma that might otherwise have never heard of it, I think that that's a huge plus. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour du forum. Les membres et les équipes présentent des nouveaux développements, mais aussi des sorties de résidence pour des compositeurs qui ont travaillé avec nous dans les équipes. Each year we come to the forum not only to see the latest research from Irkam and talk with users here at Irkam, but also the whole community in the forum that come and they show their work and talk about their latest research. I am a grad student at Parsons School of Design from New York, and I am here as part of the student poster showcase as well as to experience the whole forum and workshop. It's my first year, so everything is sort of candy for me that I want to grab onto. For us, A, it's just great to see what people are doing. B, it's interesting to see the research that's being done either with our software or in parallel with parallel interests, as well as see the musical output that's happening. Do I look like skin and bones? No? Sure you don't. You are my Superman. I will make you yogurt with almonds. Je viens au forum pratiquement depuis sa fondation. C'est à chaque fois un vrai plaisir pour moi. Alors j'en ai besoin parce que je gagne ma vie avec des installations et des compositions et surtout des choses interactives qui sont développées avec les logiciels de l'IRCAM. So we spent a few days in the studios here. One day we had an introduction to the SPAT software in the Sound Dome and it's pretty amazing what you guys are working on in terms of spatialized sound and how that can be translated also even to a stereo setup or even a binaural kind of headphone setup. I love doing multi-channel audio work, so that was especially exciting for me. C'est intéressant de se croiser ici de manière un peu en force et avec l'IRCAM, de pouvoir voir s'interconnecter des développements parce que finalement, on est tous là-dedans dans l'échange aussi de pratiques. This year, it's been great to see the work that's happening with Faust and also the new research that's been taking place with the smart instruments. So where there's all these embedded devices that are doing signal processing with various DSP languages, and that's something that we're especially excited to target with some of the work that we've been doing. Les smart instruments sont basés sur des capteurs, donc ça les musiciens acoustiques ont l'habitude, on met des capteurs sur leurs instruments. Nous on rajoute en plus des actionneurs qui vont faire vibrer l'instrument comme un haut-parleur. Et entre les deux, on a développé un système hardware et software qu'on appelle Koala, qui vient s'agripper sur les instruments de musique. Et grâce à ce Koala et des algorithmes qui ont été implémentés dedans, on peut changer les propriétés acoustiques d'un instrument. Notre but, c'est de changer les qualités. Un instrument qu'on trouve plutôt brillant, sourd, mat, et ben on va pouvoir le rendre plus brillant, plus fort, plus mat, plus rond. Et le musicien peut travailler lui-même le timbre de son instrument. C'est un peu le début, hein. Mais on utilise les résidences comme ça, des compositeurs et le forum pour rencontrer des utilisateurs qui nous amènent des nouvelles idées et qu'on intègre petit à petit dans notre petit Koala. On aime bien, grâce aux musiciens professionnels et aux compositeurs, pousser la technologie vraiment au bout parce qu'il y a des besoins de qualité qui sont assez extrêmes, quoi. On pousse vraiment le bouchon très loin. Mais ensuite, cette interface aussi vers les utilisateurs ou les musiciens amateurs, on aimerait aussi qu'elle fasse partie intégrante de ces projets. J'enseigne dans les sonic arts, dans tout ce qui est interactif, à Goldsmiths, University of London. C'est une opportunité non seulement dans les conférences, de participer aux ateliers et aussi de rencontrer les personnes qui sont en train de développer des logiciels qu'on utilise beaucoup dans notre enseignement et dans les projets des élèves. On est très heureux que l'IRCAM nous donne cette opportunité de présenter aux membres du forum
ce que l'on fait, notamment autour de Faust. C'est un peu différent d'une conférence scientifique habituelle, mais on voit les utilisateurs, donc ça c'est très intéressant, parce que c'est quand même eux qui font avancer les choses, qui font les retours, donc c'est tout à fait important d'avoir cette rencontre, qui est une rencontre de haut niveau avec des utilisateurs de haut niveau. Je voyage beaucoup à travers le monde avec mes machines, et je vois que cette institution a une marque à travers les contacts que je peux avoir dans le monde. Je rencontre d'ailleurs des gens qui sont passés à l'IRCAM dans d'autres labos, comme à Montréal, etc. Et ça, c'est toujours un plaisir. No, not yet. I'm gonna go the web audio, right? Yeah.